Bonjour à tous et à toutes, abonnés de Safe Movies. Je voulais réagir sur une séquence, une réunion des présidents des institutions de l'UE à Ankara, en Turquie, où il y avait le président du Conseil européen, Charles Michel, un politique belge, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Ce que je veux dénoncer, c'est le sexisme de la Turquie. Le président Erdogan a fait exprès de mettre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sur le côté, sur un canapé à côté. Et pourquoi je fais ça? Pourquoi Safe Movies fait un peu de politique, entre guillemets? Je le fais d'abord parce que je suis arménien et la Turquie ne reconnaît pas le génocide arménien, alors que tout le monde le reconnaît. Il y a des Turcs qui reconnaissent le génocide arménien parce qu'il y a eu des preuves et tout ça. Mais la question n'est pas là. Ce que je veux dénoncer, c'est que l'Europe, même le président du Conseil européen, Charles Michel, aurait dû réagir. Comment ça se fait qu'il y a trois invités, trois personnalités politiques, hein, le président du Conseil européen et la présidente de la Commission européenne, hein, mesdames et messieurs, la présidente de la Commission européenne, c'est la fonctionnaire la plus haute qui représente l'Europe. Ok, c'est comme si en France, je sais pas comment vous expliquer ça, mais la Turquie a quand même montré l'affront de l'Europe, surtout au niveau des femmes, en disant que la femme est de côté, la femme n'a pas les mêmes fonctions et ne peut pas avoir les mêmes fonctions qu'un homme. Et vous allez me dire, ça va changer quoi? Je vous dis franchement, c'est pas une question de vue ou quoi, mais je voulais le dire, hein. C'est une question d'homme, d'honneur. Ok, je suis pas un Arménien qui parle, je sais parler arménien, mais bon, je n'ai pas quand même un langage très courant, parce que je suis né en France, et parce que voilà, j'ai peut-être pas été assidu, mais j'ai quand même le sang arménien, et je voulais quand même dénoncer ce négationnisme qui est en Turquie, et surtout le président Erdogan qui provoque l'Europe, déjà avec le Haut-Karabakh, déjà avec plein d'histoires comme ça. Et donc, je devais le dire, voilà, en tant qu'homme d'honneur. Et je vous laisse mettre des commentaires sur cette réaction. Mais quand même, je trouve quand même grave que l'Europe ne dit rien par rapport à cet affront. Et même, je vise le Belge Charles Michel, qui est quand même quelqu'un qui a des convictions, qui n'a pas réagi. Je ne sais pas s'il a eu peur ou s'il ne voulait pas envenimer la situation, mais quand même, c'est quand même une scène qui reste archaïque. Vous vous rendez compte? Il y a trois personnalités et il y a deux fauteuils. Et on voit sur la séquence, hein, je ne veux pas remettre la séquence, mais vous pouvez aller sur Internet. Vous voyez les deux s'asseoir, hein, le président de la Cour européenne, Charles Michel, et le président turc Erdogan s'asseoir. Et l'autre, elle est là, elle fait on dirait presque un sketch, quoi. C'est hilarant, quoi. Là. Ils attendent, et au lieu de réagir, de l'amener à notre fauteuil, non, l'autre, elle s'est mise sur le côté, sur un canapé, comme si c'était une journaliste ou l'attaché de presse qui est sur le côté. Donc c'est vraiment au deuxième rang, alors que logiquement, ils sont tous au même rang. Voilà, c'était vraiment un flash info et je devais le dire. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres émissions. Et dès qu'il y a des coups d'éclat, des coups de gueule, je le dirai.
sans détour et sans langue de bois. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Et laissez-moi un commentaire si vous avez des idées d'émissions, des thèmes qui pourraient vous intéresser. Je suis preneur. À très bientôt. Au revoir.